Hello tout le monde, c'est Falken et bienvenue sur votre épisode numéro 2 de notre Let's Play sur KHBBS HD. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Dans l'épisode numéro 1, un peu court je vous le conçois, nous avions fini la contrée de départ. On avait vu déjà les scènes cinématiques, on en a pris un peu plus sur Vanitas, il faut dire ce qui est, hein. Surtout pourquoi il a poussé Terra... À chaque fois pourquoi je dis ça? Pourquoi il a poussé Ventus à poursuivre Terra? Au niveau du jeu de commande que je vous montre, j'ai juste passé un petit peu, vous savez, les explications de début. Qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau de la commande tir vision, on n'a qu'une seule, c'est celle enflammée, qu'on connaît déjà. J'ai remplacé Quéclair Rapide qui est arrivé à expiration, donc au maximum. Avec la capacité scan, je l'ai remplacé par Estoc Glissé. Je pense que c'est à peu près tout. Mixage, pour l'instant, n'a rien à faire. Je pense que tout est ok. Hein. On va pouvoir lancer. Et donc ici, dans cet épisode, nous allons faire la forêt des nains. Ok, donc on se retrouve ici, on vient d'apercevoir les nains, hein, et on va sûrement les poursuivre dans leur caverne. Alors, on va faire quelques combats un petit peu, pour un petit peu se booster, hein, le but, parce que je trouve qu'on tape pas fort du tout avec Ventus, hein, quand on regarde la capacité scan. Hein. Alors ici, potion, pourquoi pas. Alors, on va faire attention surtout à ne pas tomber et faire les choses dans l'ordre. Petit nation qu'on connaît, hein, ça c'est les plus basiques. Peut-être lui lancer Disco Balos. Voilà, vous voyez, on le one-shot même. Il faut absolument qu'on XP. Oh là là, puis ça fait bizarre de retourner avec un saut pourri comme ça. Depuis qu'on avait comment, enfin, depuis qu'on avait vraiment connu avec Terra tout ce qu'il fallait. C'est vrai que ça devient difficile. Ok, donc logiquement ça devrait être un épisode un peu plus, je pense, tablé entre une demi-heure et trois quarts d'heure par monde. Logiquement. On a un deuxième coffre ici qui nous donne potion encore. Ah, les petits caméléons mignons. Vous voyez, même avec le coup de grâce, hein, ça marche. Voilà quoi. On gagne que 4 XP avec le caméléon mignon en plus. N'oublie pas surtout, c'est de pas faire comme avec Terra, de sortir les styles de commande. Ce serait bien, Falken, ce serait très bien. Yeah! Ok. Alors, la suite. Ça pâle à la plat. Qui étaient ces petits hommes que j'ai vus? Bah, écoute, hein, tu vas connaître et les savoir très rapidement. Hein. Hop. Eh bien, comme ça en XP. J'adore comment il tient sa Keyblade à l'envers. Sans blague, Ventus. Et j'ai beaucoup appelé Terra Ventus, hein, je vous préviens. 3 bits, tu vas dire Terra. Ok, pour les finitions. On va essayer les stocks glissés. C'est plutôt pas mal. Tiens, toi. Disco Bolos. J'aime bien ce, j'aime vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Pic de fièvre. Qu'on connaît, hein, qu'on avait déjà vu lors de notre partie avec Terra. Mais on va un petit peu faire ce qu'il faut. Ok, le but c'est de sortir de plusieurs coups de grâce, hein, à la suite. Mais arrête de skipper, bien. Notre jauge ne redescend pas, bien. Oh, un gros, lui va nous donner. Oh oui. Voilà, ça c'est plutôt bien. Coffre. Éther. Franchement, ça nous sert à rien. Allez, on y va.
Who are you? I'm Ventus. Call me Ven, a diamond thief! Take cover, you fools! I'm sorry. I didn't mean to frighten you. You didn't? Oh, you mean you're not here for our diamonds? That's not nice. Treating me like some kind of bad guy? I'm just trying to find a friend. His name is Terra. He's dressed kind of like me, about yay tall. Sounds like a tall tale to me. Go on, get! We don't know any Terra. Please, could you come over here? I just want to talk. Don't fall for it! Stay where you are! All right, then we'll do this the hard way. Yeah. Dis donc, quel accueil, hein. Merci les nains. Je pense que c'est Grincheux qui mène le groupe à la baguette, comme on dit. Ok, donc explorer la mine pour trouver les nains. Pourquoi pas. Donc ici, point de sauvegarde, on s'en fiche un peu. Alors, nous avons ici un premier sticker. Sticker ballon. Pourquoi pas. On a le mog. Ici, nous avons Simplé. Qui, comme l'on l'a dit, qui est Simplé. Désolé pour cette blague pourrie. Donc au niveau du mog, qu'est-ce qu'on pourrait acheter? En même temps, on n'a que 59, donc ça ne sert absolument à rien du tout. Et je préfère les débloquer dans les coffres ou en ayant les ennemis qui nous donnent certains objets. Et je pense qu'on n'a rien oublié, c'est parfait. Donc objectif, retrouver les 7 nains. On en a retrouvé déjà un. Il va donc falloir qu'on en trouve 6 autres. Trouver où se cachent tous les nains. Ok, très bien. Bon, alors, on va commencer par ici. Allez, Ventus. Oh, c'est bien, je peux t'accrocher. Mini. Ouais. Mini, c'est plutôt... Ouais, pourquoi pas, après tout. On va en profiter pour XP un peu, hein. Rafale. Ouais, je l'ai loupé, c'est pas grave. Allez. Voilà, parfait. Donc là, il y en a un premier ici. Oh là, par contre, oh là là, le bloc d'affichage. Pas mal le bug d'affichage. Alors faut surtout pas hésiter à détruire ici, juste là, comment on pourrait dire, ces boîtes en... boîtes, hein, tout simplement. Je m'occupe pas celui sur le rail en dernier, je le précise. Le ici, voilà, il y en a un. Alors, on va se concentrer sur lui en priorité, de toute façon il va pas pouvoir beaucoup sortir de la zone. On va quand même aussi s'occuper des Nessie en même temps. Ok. En plus, non, mais en plus, il nous fait des dégâts. Viens là, petit salopio. Tu sais quoi, tu veux un petit coup de... Allez, honnêtement. Non, mais c'est pas celui-là que je veux loquer. C'est lui, là, dans sa boîte. Il est où? Là. Voilà, là, on lui a fait pas mal. Oh oui. Et j'ai l'impression qu'on fait pas de dégâts, hein. C'est bon. Voilà, c'est bon. Tu as l'air vraiment gentil. J'aimerais pouvoir t'aider. Je rappelle qu'on fait tout ça juste pour être à la recherche de terrain. Yeah. Ok, on va récupérer les momies, hein, quand même. Donc en fait, il fait un chemin, comment dire, le nain là qui est dans le chariot, hein, parce que je vous rappelle qu'on est dans une mine. Il va passer par là. Regardez, ce que je vais essayer, c'est de faire Disco Bolos. Ouais, sauf qu'il m'a... Oh, quoi, est-ce qu'on pourrait pas essayer de l'avoir maintenant? Comme ça, ce serait fait. Logiquement, il va ressortir juste là. Ouais, sauf qu'il fait vraiment mal. Par rafale, on a fait s'essayer un Estoc. Estoc. Il est là. Oh là là. Il va me faire rush kit. Il va me faire rush kit. Ah oui, il faut aussi qu'on essaie de faire les liens des. Voilà, c'est bon. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Robert TV, pour ceux qui connaissent, avec Pacific Sound 3003. Allez, on continue.
Alors, je vois qu'il y a des boîtes là, pourquoi pas. Ah, il y a encore de nouveau un nain. On va toutes les, hein, toutes les détruire, c'est le but. Ok, là, tu dis Disco Boss. Ok, il y en a certains qui pop avec des Nessie. Comme ils sont gentils. Ok, des clics de fiel, ça c'est nickel. Alors, au moins qu'on monte dans cette vidéo niveau 3 peut-être. Je pense que ce serait bien, on a toujours pas la marche XP, hein, je vous rappelle, il va nous être d'une grande utilité. Ouais, je sais, c'est beaucoup moins impressionnant qu'avec Terra, hein. Ça on est bien d'accord. Alors, t'es où? Voilà. Ok. Parti par où? J'en sais rien. Lancer Vengeur. Utilisez des frappes de type Vengeur pour riposter si l'ennemi vous projette. Appuyez sur carré pour vous rétablir et riposter. Plutôt pas mal. Ah, sauf que je peux pas l'équiper encore. C'est pas grave. Il y en a un qui dort, j'entends. Ça devrait pas trop poser de soucis. Voilà. Faut se lever déjà. Ok. Donc il reste encore 3. Ok. Alors si on avait seulement que les Nessiens, mais en plus ils nous ont mis des nains. Hein. C'est logique. Allez. Mais en tout cas, quelle rapidité d'action, ça fait plaisir. Ok. Surtout, n'oublie pas de prendre les petits monies plus les orbes de santé, on sait jamais. Alors, on est toujours en combat? Voilà, je voulais moi équiper... l'album de stickers, on s'en fiche. Dans le jeu de commande, je voulais équiper... On va mettre ça, admettons ça ici. Parade équipée, lancer vengeur. Non, donc il faut que je fasse une nouvelle ligne ici. Appuyez sur carré après avoir été projeté. On l'a déjà vu ça. Dans les airs, par un coup puissant pour contre-attaquer. Très bien. Donc on oubliera surtout pas. Alors, ici. Oh les nains, eh, vous allez pas honnêtement me troller, s'il vous plaît. Ouais, je sais, je fais tarder, mais je suis obligé de prendre l'XP. Hein. Je suis vraiment obligé. Au pire, toi. Oh là là, puis le bruit qu'ils font. Il y a un coffre là. Qui nous donne Panacé. Oui, je suis pas très fan de Panacé, je pense qu'il est. Bon, j'aimerais bien m'occuper de celui-là. Voilà. On ne connaît personne appelé Pera. Appelé Terra. On le saurait s'il y avait un étranger. Donc il nous en reste combien? 2 en fait. Allez, Nessie. Ok. Donc on a déjà. Ok, il y en a un autre ici. On va se dépêcher. Ah oui, carrément lui. Allez! Mon rhume des foins! Je vais. Ah, éternuer, fait. Ah, attention! Ok, il nous en reste plus qu'un. Bon. Alors, on y va. Ultimation. Ok. Niveau 36, hein, vous voyez, honnêtement, on n'augmente pas vraiment beaucoup. On avait tout fait par ici. Allez, quoi que. Allez, un pas. Je sais pas si ça nous donne quelque chose, des nations. Ouais, par des nations. Au moins, comme ça, voilà, on augmente pas mal le, comment dire, bah, notre jauge de commande. Et c'est toujours bon à prendre. Ok, je pense que le coup de grâce, on va le réserver pour lui. On va quand même faire attention de tout bien faire comme il faut. S'il te plaît. Mais, oh bah oui, juste pour un essieu en plus. 2, autant pour moi. Mais encore une fois, on augmente, hein. On augmente, on augmente. Alors, un petit estoc glissé pour toi. Petit disco bolos. Allez, un petit disco bolos. Regardez comment on fait pas de dégâts, c'est impressionnant. Voilà. Comme ça, on va voir si tu fais encore le mariage. Ok. Je te préviens, pas touche à nos diamants, je t'ai à l'œil. Mission réussie. Come on. I'm telling you, I'm no thief. Ha! That's what they all say. Well, we're on to you. Fine, I get it. You want me to leave, I'll leave.
Oh, but can you tell me where I can find some other people around here? There's a castle beyond the chorus. I mean the forest. Got it. Well, thanks. Ok, donc non seulement on a fait ça pour rien, mais en plus les nains, c'est des têtes à claque, hein. Si on leur parle. On connaît personne appelé Pera, appelé Terra, on saurait si elle avait un étranger. Honnêtement, il n'y a rien de nouveau. Allez, donc prochaine destination, la forêt. On va repasser par le chemin de montagne. Allez, encore un petit peu de combat, hein. Vous le savez, vous êtes habitué avec moi maintenant. Il faut qu'on XP un maximum, surtout en ce début de partie où honnêtement on n'a pas de défense, etc. Ce serait bien, voilà, qu'on arrive avant la zone, au niveau 2 peut-être, je pense. Au toit. Oh mince. Bon, par contre, il vous fait mal. Discovelos. Ah. Comme ça, on augmente notre cycle de commande, on a beaucoup plus de choses, voilà, on fait beaucoup plus de dégâts, et ça fait plaisir. Voilà. Ok, donc, encore ici, les petites missions qu'on connaît. C'est très stylé, le pic de fièvre, donc je dois... Honnêtement, j'aime beaucoup. Là, on a fait, donc on redescend par là. Ok. Oh, petit caméléon mignon. T'inquiète pas, on va t'avoir. Oh, on a fait ça dans le temps, c'est un petit peu dommage. Niveau 9, encore 9 XP. Classe. Toi, tu vas donner 4 ou 5, hein. Au moins qu'on soit. Oh, tant pis. Ah, là ton copain, il va nous donner, hein. Oh, il nous donne que 2 XP, c'est génial. Ok, allez, on descend encore et toujours. Et on va aller vers la forêt. This must be where those little men live. Huh? There. Est-elle Ventus, un proche chevalier qui va aller sauver une âme innocente? Mais avant ça, ce que je vous propose, après le temps de chargement bien sûr, c'est qu'on va aller explorer un petit peu la zone. Donc nous, on vient de par là, voilà. Donc, est-ce qu'on déjà peut rentrer dans la chaumière? Ok, je suppose qu'il va y avoir plusieurs choses à récupérer. Déjà ici. Recette attaque. Très bien. Ça c'est nickel. Y'a rien d'autre? Y'a rien d'autre. Même pas un petit sticker ici. Bon alors on a été habitué à mieux là, non? Pas possible. Bon bah tant pis. Alors, la suite. Il devrait y avoir, voilà, par ici, un gros coffre qui devrait être, logiquement, la carte. Ah, et il y en a un autre petit derrière, je pense que vous l'avez vu. Parfait. Et le petit qui est juste là. Brasier. Plutôt pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas l'équiper à la place de quelque chose d'autre? Disco Bolo, je vais garder à la place de Rafale. Je pense que c'est mieux, hein. Faut dire ce qui est. Brasier. Au moins comme ça on fera des dégâts de feu, ce qui est non négligeable. Ici, un sticker. Ouais, on va pas l'avoir, peut-être en prenant un peu de hauteur, mais ça m'étonnerait. Tiens, sympa là, la petite hache de bûcheron des... Non, on saute vraiment trop bas. Alors, voyons voir pour la suite. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose, voilà, du genre là, un coffre caché. Il nous donne arsenic, pourquoi pas. Ça nous donne la compétence poison, hein, quand on la lance. Et la suite, c'est par là. Oh,
pas mal de petits coffres qui nous donnent. Éther, pourquoi pas. Après. Y a pas de nation. Potion, pourquoi pas aussi. Ah, je vois pas mal de petits coffres par contre. Faudrait surtout pas qu'on en oublie, ce serait assez dommage. Voyons voir. Il y en aurait qu'un là-bas? Ça m'étonne. Ok, la zone est grande, hein. Pour une fois, ça change. D'accord. Donc nous, on va d'abord récupérer le coffre, si on peut. Cristal chatoyant. Parfait. Je regarde juste quelque chose. Objet. Stock. Cristal chatoyant. D'accord. Au feu, alors. Et pour cela, de toute façon, pour le message, faut que toutes nos capacités soient au bout. Allez, je pense que vous la reconnaissez, on va aller lui parler. Je ne peux pas ignorer cette fille qui pleure. Oh. What's wrong? These horrible trees, they tried to grab me. It's okay. You were probably just seeing things. It happens to all of us when we're afraid. Oh, thank you. I feel quite better now. I'm sure I'll get along somehow. But I do need a place to sleep at night. Would you know anywhere I might? Well, I saw a house just up ahead. Come on. I'll take you there. Oh, I'm Ventus. Ven for short. Thank you, Ven. My name's Snow White. Great. Let's get going. Ok, objectif. Donc, escorter Blanche-Neige jusqu'à la chaumière. Mais ça va pas être aussi facile que prévu. Protéger Blanche-Neige jusqu'à la chaumière. Appuyez sur carré, puis sur croix pour l'aider. Donc on va rester à côté d'elle. On va faire attention pour les dégâts. On va commencer par un petit disco bolos. Les arbres vont être à côté d'elle. On va faire attention. On va surtout faire attention aux pieds. Est-ce qu'on peut pas taper? Ok. Je me concentre, hein. Aïe aïe aïe. On va quand même faire attention. Ok. Donc là ça a augmenté. Parfait. Dès qu'il y a carré qui s'affiche, hein, il faut absolument qu'on attaque. Allez Blanche-Neige. Toi, toi les fesses un peu. Princesse de cœur. Ok. Encore une fois. Et nous on continue de taper. Ce serait bien là faire quelque chose, non? Ok, bouge, 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 bouge. Le caméléon, là, on va l'avoir. Fire. Ok, elle y va en. Elle trace, elle s'en occupe même pas de nous. C'est pas grave. Allez. Ok, on est au niveau de la moitié de la jauge de santé pour mademoiselle. Oh oh. Ça devrait le faire. Vas-y, Blanche-Neige, vas-y. Non, 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 non. Oh oh. Ça a l'air d'être bon. J'ai appuyé. Oh non, on n'a pas réussi, c'est pas vrai. Ah, il va falloir recommencer, donc il va falloir que je sois plus proche pour elle. Hein. Je le redoutais ce passage, hein, je dois avouer. Alors, réessayer. Cette fois, on va rester vraiment à côté d'elle et taper les arbres. Et
Et surtout, arrête un peu d'être nunuche, cruche, ou tout ce que tu veux. Quoi? Ok. Ok, et j'appuie pourtant. Hein. Alors je sais pas si... C'est bizarre, j'ai jamais vraiment compris cette fois, je dois vous avouer. Ok, on va en profiter. Allez. Allez, tu vas pas nous troller. Hop. Ok. Potion, petit caméléon. Attention les arbres, attention les arbres. Ok. C'est plutôt pas mal là, non? Faut appuyer sur carré pour pas qu'elle ait peur, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Sérieusement, c'est n'importe quoi. C'est trop aléatoire, on sait pas ce qui se passe. Je vais me concentrer. Hein. Pourquoi tu passes par là? Ça faut qu'on m'explique. Hein. Allez. Bouge-toi les fesses. Bouge les fesses. Ok. J'ai appuyé. Ok. Bah ça a l'air d'être bon, non? Non, c'est pas bon. Ok, on va t'avoir. Parfait. Il y a encore un dernier ennemi. Un dernier. Ok, ça a l'air bon. Cette fois, tu peux passer. Encore des ennemis, mais on n'a plus d'arbres. Là, on est tranquille. Mais on va quand même se méfier. Ok, ça a l'air d'être bon. On n'oublie pas de récupérer tous les objets et parler. HP max augmenté. C'est nickel. I'm pretty sure you'll be safe here. But sit tight while I look around. Someone's asleep in here. The coast is clear. Not a monster in sight. Huh. Couldn't stay away, could you? And who invited you in, you rotten thief? Oh no, he's not a thief. He rescued me. You mustn't be moved. I mustn't be fooled by him, Princess. Just go on and get. Please don't send him away. You see, he helped me when I was lost. And oh, so very frightened. What happened? Well, I was picking flowers by the wood, and there was a stranger there. He had a sword, but it was like a key. And then these monsters came and... A sword like a key? Terra! You mean this stranger saw you and set his horde of evil demons after you? Terra would never do that! Oh, of course. I'm sure he wouldn't. Not if he's someone who's your friend. Princess, you trustn't be so musting. Trusting. He's a lion! Mark my words! I'll prove it! Ok, donc comme on pouvait s'en douter, bien sûr, ça se passe en parallèle de ce qui se passe avec Terra. Et donc Terra a déjà rencontré Blanche-Neige. Et il va falloir prouver l'innocence, là, donc, de Terra. Alors, au niveau des commandes, ce que je propose, c'est que, comme je sais ce qui va un petit peu se passer, c'est qu'au lieu de les stocks glissés, on va mettre potion. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ok, donc là, c'est la chaumière, là, on revient, donc on va retourner encore une fois dans la forêt.
off. Et donc voici notre premier boss que l'on va affronter. Et c'est pour ça que j'ai mis la capacité spéciale brasier. Pourquoi? Parce que normalement, hein, les arbres craignent le feu. Neutraliser le Nescient. Attention aux flaques toxiques. Très bien. Commencez par un petit disco bolos. Dans ta face. Ok. Faire attention. On va brouiner, hein, le but c'est qu'on brouine. Brasier. Quel style de commande? Deux fièvres toujours, pourquoi pas. C'est vrai que maintenant je peux appuyer sur carré, faut pas t'oublier. Toujours aussi sympa cette musique. Hein. Ah, faut que j'appuie sur carré. À chaque fois il est trop rapide aussi. Ah, à chaque fois j'ai pas le réflexe encore. Hein, c'est ce que je me prends en début de jeu. Hein. Là on lui a fait super mal. On tape pas très fort. Hein, parce que... Alors, par contre, Disco Bolos. Ok, toujours en pic de fièvre. On va faire attention quand même parce que là il commence un petit peu à s'exciter. Heureusement qu'on a quand même le style de saut, il faut dire ce qui est. Ah d'accord. Quand on appuie sur le carré, ça fait carrément une sorte de disco bolos. Attention aux flaques toxiques, attention à ça. Au niveau de la santé, on est plutôt pas mal. Ouais. On va quand même se méfier. Ok. Ce que je propose peut-être. Une deuxième, on est tout pas. Oh là là. Et tu vas. Là tu vas le regretter. Non 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 non. Oh c'est pas vrai. Eh sérieux. Allez, vas-y, le style de commande. Vas-y, 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 vas-y. Tant qu'on peut, on y va. Brasier. Allez, on a bientôt terminé. Une petite potion au cas où. De toute façon, c'est gratuit. C'est donc toujours bon à prendre. Allez, 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 allez. Allez. Contenance du JDC accrue a pris tempête de feu. Nouveau style de commande. C'est parfait. Excuse me, ma'am. You dropped this. Huh? Oh, I thank you, my pet. To tell the truth, I really don't know what I would have done without that. Haven't I seen that sword before? Terra has one. You know Terra? Oh, yes, yes. That ruffian pointed one of those at me asking about some Xehanort. My poor heart nearly stopped. That doesn't sound like him at all. Ma'am, where did Terra go? I'm sure I have no idea. Must you all menace a poor granny so? What? No, I was just... Terra, what did you do? Lien D établi avec Blanche-Neige. Et j'étais complètement débile, j'aurais peut-être dû utiliser le lien D pendant le combat avec ce boss. Comme d'habitude, j'y pense pas. Et nouvelle Keyblade qu'on connaît, Mine de Joyaux. Keyblade qui compense sa faible portée en vous procurant un bonus équilibré de force et de magie. Et je pense que logiquement, on en a fini avec ce monde. Tout à fait. Est-ce qu'on a obtenu tous les coffres? Non,
Non, il nous en manque un. Donc ça doit être dans la dernière partie où on a vu cette vieille dame, que bien sûr vous aurez reconnue, je pense. Hein. Alors, prochain épisode, ce sera Palais des Rêves ou le Domaine Enchanté. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse le Palais des Rêves, car niveau de combat 2. En tout cas, n'hésitez surtout pas à revenir sur tout ce qu'on a vu dans cet épisode. Pourquoi pas à liker si vous avez vraiment aimé la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir regardé l'épisode. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 3. C'était Falken sur BBS HD. Ciao tout le monde!